Ce que les uns appellent épreuve sera pour d'autres une nouvelle opportunité ou une nouvelle expérience. Pour être réaliste, les difficultés font partie de la vie. Prenez conscience que la vie ne peut être belle que s'il y a des oppositions en tout. Le bonheur ne signifie pas absence de difficultés. Le bonheur, c'est avant tout un état d'esprit. Comment pourriez-vous apprécier la santé si la maladie n'existait pas? Comment pourriez-vous apprécier le soleil s'il ne pleuvait jamais? Pourriez-vous apprécier le doux si vous ne connaissiez pas la mer? Comment apprécier le jour si la nuit n'existait pas? Quels ont été les moments de votre vie où vous avez grandi le plus, où vous avez appris le plus? Eh bien, probablement, les moments où vous avez surmonté une difficulté ou une épreuve. On néglige souvent notre part de responsabilité dans la perception que nous nous faisons des épreuves. Nous avons tous besoin de donner un sens à ce qui nous arrive. C'est même indispensable pour résister aux difficultés. On nous compare souvent au capitaine de notre vie. Avant de commencer une traversée, un capitaine rassemble des informations censées leur garantir un voyage sans encombre. Enfin, ce n'est qu'une indication. Pourtant, personne ne maîtrise la météo. On sait donc toujours qu'il faut rester vigilant, même si l'on s'attend à faire un bon voyage. Mais est-ce que cet avis météo est une garantie infaillible que le voyage se passera sans encombre? Absolument pas. L'inattendu fait partie d'un parcours d'un capitaine. Personne ne se contentera d'un argument tel que « j'ai attendu que le sort » ou « les étoiles » ou « Dieu » ou quoi que ce soit d'autre décide que le temps ou les éléments aillent mieux. Tout comme les tempêtes en mer sont toujours différentes, il en est de même pour nos tempêtes de la vie. Et à chaque problème, il y a toujours une solution. Et si ce n'est pas le cas, car il arrive en effet qu'il n'y ait pas de solution, qu'allez-vous entreprendre pour en tirer profit? Ou arriver à accepter la situation ou à en faire une force? Nous pouvons toujours changer la position des voiles de notre navire. Il est toujours possible de donner un sens à ce qui nous arrive, de puiser des ressources dans la famille, les amis, de nouveaux projets, un amour, un espoir ou dans la foi. Il y a toujours des solutions. Il y a toujours de nouvelles opportunités. Il y a toujours une fin à un tunnel, aussi long soit-il. Soyez convaincus que personne ne naît avec une prédisposition à l'échec.